Et coucou! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble le centre de table pour ma fille. Et aussi, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie, c'est extrêmement gentil de votre part. Donc, je vais le faire en musique et par moments. En accéléré parce que je vais passer un certain temps à coller les petits sujets, les décos, machin et tout. Donc je pense qu'il y aura certaines parties en accéléré pour que ça dure pas non plus 3 heures et que vous vous ennuyez à regarder. Et on se retrouvera bien évidemment en blabla à la fin pour la présentation de la déco. Voilà, allez, c'est parti, on y va en musique. À tout à l'heure. Thank you.
Alors, nous voilà pour la présentation finale. Je pense que vous n'avez pas vu grand-chose, dans le sens où, comme je filme au-dessus de mon bureau, et que tout se passait comme ça, voilà. Donc, je vais vous montrer. C'est un peu lourd, donc je vais faire attention de ne pas tout casser. Donc, vous m'avez vu, j'ai collé ma guirlande rouge. Hop, voilà le rendu. J'ai collé par-dessus ma guirlande électrique. Hop, on va l'allumer. Voilà. Je vais peut-être éteindre celle-ci, vous verrez peut-être mieux. Oui. Donc là, on a. J'ai mis de rose. J'ai mis mes pommes de pin, j'ai mis mes petites branches de baies rouges. On voit mon petit bambi. Là, j'ai collé mes petites fioles que j'ai remplies avec les petites paillettes. Je ne vais pas faire bêtise, mais comme c'est lourd. Mes petites paillettes, voilà. Là, il y a le gnome. Donc là, vous verrez, j'ai mis de la pâte du rebouche-roux de chez Action. Et par-dessus, j'ai mis mes fameuses paillettes de chez Viva que j'avais achetées chez Keepers. Là, c'est ma forêt de sapin. J'ai mis des petites boules tout autour de la bougie. Voilà, là, oups, je vous fais bouger. Je vous donne le mal de mer. Donc là, voilà, ce côté-là avec le Père Noël, les petites pommes de pin, les petites boules blanches poilues. J'ai mis un peu de pâte effet neige sur la tête du Père Noël avec les petites paillettes de chez Viva. Je vais vous les montrer. Je les avais achetées chez Keepers. Voilà, là les petites bûches de bois. Là, sur lequel je suis venue coller une pomme de pin et un petit flacon que j'ai rempli encore de petits sequins rouges. Voilà la petite déco pour le centre de table chez ma fille. J'espère que ça lui plaira. Et oui, et je vous ai pas montré sur la bougie, j'ai rajouté des petits grelots, petite guirlande de grelots. Voilà, et une fleur de poinsettia que j'ai fait avec un dies. Et j'ai passé dessus de la poudre à embossage à chaud. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées pour votre déco de Noël. Moi, je me suis régalée à le faire, même si c'est pas trop mon truc. Comme c'est pour ma fille, voilà, je fais des efforts. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, je vous fais. Ah bah décidément, mon gros grelot, il veut pas tenir. Mais c'est pas grave. Si j'ai passé la ficelle dans. Voilà. Dans les petits anneaux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, je pense que. Ce sera la customisation de l'agenda de ma fille. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Tout plein de bisous, bisous. Bye bye!